Alors, comme cet après-midi, tous les auteurs que je vais essayer de jouer pour vous sont français, alors on va commencer par Shakespeare. Voici Albert Lerner. Les musiciens, eux autres, c'est 1, 2, 3, 4, eux autres, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors il faut se mettre ça en tête. Hein. On peut passer par différents gourous, mais on finit tous sur la scène à faire la même chose. On fait comme? On joue. Il faut être dedans. Le masque du sourire, le masque de la tragédie. Il y a le volet négatif et le volet positif. Comment nous? Avec nous quelqu'un, on se passe tout le temps. Maintenant, on voudrait que le théâtre soit politiquement correct. Il est vrai que j'ai plus vécu, mais je doute qu'un fils honore son père en le faisant cocu. Il y en a qui croient qu'on peut établir des relations amoureuses dans le sang. On va tuer ton mari, on part en voyage. Alors là, c'est exactement ça. Alors elle va profiter de Horace, elle va dire, si tu m'aimes vraiment, prouve-le. Débarrasse-toi de virus. Les libertins. Alors on va écrire les choses les plus épouvantables d'une façon extraordinaire. Quand une femme est fidèle, on l'admire. Mais il y a des femmes modestes qui n'ont pas la vanité de vouloir être admirées. Rendons hommage aux femmes modestes. Les témoins de ce miracle rient, pleurent, chantent et refusent d'évacuer la salle. Comme vous autres tout à l'heure. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.